Sniper. Alors, tout d'abord, je tiens à vous remercier tous pour votre soutien. J'avais vraiment besoin de savoir s'il fallait que je continue ou pas. Et tous vos commentaires de soutien m'ont donné la réponse. Donc, je ne vais pas gâcher le plaisir du plus grand nombre pour quelques idiots, quelques imbéciles qui me dislike mes vidéos. Alors, une petite surprise pour aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui. Alors, une ancienne vidéo que j'ai repris, que j'ai remis au goût du jour, que j'ai un petit peu remanié. C'était une de mes premières vidéos que j'ai décidé de commenter sur le bois vermeil. Ça commence sur le bois vermeil. Alors, j'avais un peu envie de faire ça pour un petit peu voir le chemin parcouru depuis le temps que je mets des vidéos, puisque bientôt celle-ci est ma 300e, donc c'est un petit bonus, on va dire 300e vidéo. Donc là, c'était mes débuts, hein. D'ailleurs, mon tag, vous avez vu, CS Minus, à l'époque, je m'appelais comme ça. Ouais, c'était un surnom que j'avais, Minus, parce que j'étais petit, très longtemps, je vous rassure, j'ai grandi depuis. Et donc, j'avais ce tag, qui a bien sûr été changé par la suite pour celui que vous connaissez. Sniper. Alors j'avais envie un petit peu de regarder un petit peu une ancienne vidéo pour voir un petit peu aussi même mon niveau, comment il avait évolué. Ben je faisais toujours autant de fautes, hein, ça, il n'y a pas de souci. Le seul truc c'est que je trouve que j'étais pas si nul. Alors regardez ce petit passage, je vais vous le remettre au ralenti, regardez. Le bill renverse le mec en méga et le mec en méga vient m'écraser. C'était déjà à l'époque, vous voyez, il m'arrivait des trucs vraiment hallucinants et j'aimais bien un peu remontrer. J'arrivais déjà à faire des ralentis à l'époque, donc c'était déjà pas mal. Et finalement, mon niveau n'était pas si bidon que ça pour l'époque, je trouve. J'ai guère progressé, j'ai l'impression. J'ai l'impression des fois que ce même genre de choses m'arrive toujours. Et donc là, un petit monde bien sympa. Alors vous allez voir après aussi une deuxième vidéo par la suite, parce que celle-là était pas longue, elle faisait à peine 13 minutes. Donc j'ai un petit peu remanié. Et j'ai fait une deuxième partie de vidéo. Alors regardez, hop, j'ai loupé. Cette étoile là, on vient me la piquer sous le nez. Ah là, j'avais pas encore les réflexes. Vraiment, vraiment. Et puis, regardez encore une fois une course qui était pratiquement gagnée d'avance. J'essaye d'éviter ce rouge avec la banane, mais déjà là, vous avez vu, si j'avais pris cette étoile, hein, enfin, c'est pas trop grave. Regardez, on arrive en fin quand même de course, deux champis d'un coup pour terminer. Et j'arrive quand même à gagner cette course. Alors je suis désolé, à l'époque c'est vrai que je mettais pas trop les résultats des points et tout. Sur celle-là, je crois que je le mets. Donc vous verrez ça. Donc c'était des sessions assez marrantes quand même déjà. Au début où je jouais, j'avais pas beaucoup d'amis, ce qui n'est plus le cas, je vous rassure. D'ailleurs, j'en profite pour dire à toutes les personnes que ben je vous remercie d'accord pour votre soutien, mais c'est très gentil de me soutenir, mais malheureusement j'ai quand même plus de place sur mes permis, je suis vraiment vraiment à bloc. Ah, je me préparais déjà pour faire le raccourci, peut-être que j'allais le faire, puis regardez ce beau dodge de d'éclair avec mon bill. Donc je sais pas si à cette époque-là je faisais déjà le cut, mais je suis pas sûr. Puisque j'ai vu des vidéos où je ne le faisais pas. Et puis alors, ce joueur qui me refile le zap, vous voyez, en plus je me prends la bleue, la totale. Vous voyez déjà qu'à l'époque, bah, j'étais déjà bon client pour me faire refiler les zaps, hein, comme d'habitude, ça n'a pas changé. Alors on va bien voir, là je garde ce doré. Est-ce que je fais le cut ou pas? J'en sais rien. La petite verte random. Je pense que je garde mon doré pour faire le cut quand même, puisque je l'utilise pas. Donc c'est que, à mon avis, déjà à cette époque-là, je faisais le cut. On va voir. J'ai bien l'impression que je suis parti pour le faire. Ah oui, effectivement, je le fais. Et ben vous allez voir quand même que ça a été bien utile, hein, parce que je suis repassé à la deuxième place, vous avez vu.
Le joueur là devant 0, bah il était pas si 0 puisqu'il est premier. Et voilà, et c'est reparti pour un tour. Tout le monde me poutre. La première place, vraiment, une aura. Ah, puis alors là, vous avez vu, j'ai spammé mon item, j'ai envoyé le choc tout de suite. Alors, j'espère que la qualité sera pas trop mal sur YouTube quand même, parce que je vous garantis rien, hein, c'était des anciennes vidéos qui étaient capturées à l'époque, elles étaient même pas capturées avec un dazzle, c'était comment dire, un disque dur externe qui enregistrait en HD. Donc c'était principalement du 480p que je remettais en 720, mais c'était un petit peu compliqué. Donc j'espère qu'avec Sony Vegas, que je maîtrise un peu mieux, j'arriverai quand même à vous présenter cette vidéo de bonne qualité. Et vous voyez, j'avais quand même 9000 points à l'époque, hein, et j'avais battu un 9999. Alors celle-là, vous allez voir, elle mériterait vraiment d'être dans mes Epic Last Lap. Donc c'est un petit peu pour ça aussi que j'ai choisi de vous montrer cette vidéo. Donc une étoile que je conserve. Pour le moment, je décide de la garder au maximum. J'avais déjà un petit peu quelques notions de gestion d'items qui étaient pas top top, mais qui étaient déjà là. Ce Razomé là, qui était en harmonie, là, je me rappelle l'avoir rencontré quelques fois en Mondi et franchement, il jouait bien. Alors regardez, non j'allais dire on n'est pas encore au dernier tour puisqu'on est seulement qu'à la fin du deuxième. Alors une bombe qui va pas être très efficace je crois si elle a touché. Je suis quand même un petit peu à la rue, hein, Plash Peach, hein, j'avais un peu de mal. Au niveau du run c'est pas ça qui est ça quand même. Les trois champis là, bah, je vais bien essayer de les utiliser. Et puis vous avez vu, bah, ce pot il m'a quand même désarmé, mais c'est pas trop grave. Et alors, comme je vous disais, regardez cette fin de course. Le joueur qui est premier, là, regardez, se prend une bleue. Donc la bonne aubaine, je passe premier et là, bam, la bombe. Et dans la foulée, une étoile, le choc, plus tout le monde me double, la totale. C'était vraiment hallucinant, je vous remontre au ralenti. Pour ceux qui ont déjà vu cette vidéo, bah j'espère que ça vous fera plaisir de revoir ce passage en étant commenté, mais alors c'était quand même vraiment très 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 rageant. Un petit N64 Château de Bowser, alors c'est pareil, hein, voyons voir un petit peu ce qui se passe. Pas trop de joueurs présents dans la salle, des cartes principalement. Là déjà je pars en tête, on va bien voir ce qui se passe, je me rappelle plus trop, hein. Honnêtement ça date, hein. Ça fait partie vraiment vraiment de mes premières vidéos, donc ça me fait aussi autant plaisir de revoir un petit peu ces courses, parce que c'est des vidéos que je regarde plus trop, et vous avez vu, pan, allez, deux rouges, vraiment c'était pas mal. Je me rappelle de cette joueuse en carte là avec la buggy brute qui était un peu hallucinante aussi. Voilà, vous allez voir par la suite dans les autres courses, des courses avec Royal puisque. Et cette verte là. Oh là là, la verte random comme ça. Enfin pas random, backspammé, qui était bien backspammé, il faut reconnaître. Oui, Royal que vous allez voir. Dans les vidéos, puisque c'était le tout début où j'étais rentré chez les CS, et donc j'avais déjà Royal dans ma roster, et on avait fait quelques mondis où je l'avais rejoint. Donc j'ai fait une petite sélection de deux courses après, vous verrez, pour un petit peu allonger la durée de la vidéo, puisque je vous ai habitué à vous montrer des vidéos d'une vingtaine de minutes, donc je vais continuer. Mais vous avez vu quand même que c'est quand même assez agressif, hein, malgré tout. Je me suis fait pas mal de fois backspammer avec des vertes. Puis alors là, regardez, alors ce passage, hop, je fais n'importe quoi. C'était vraiment du sniper tout craché déjà à l'époque. Mais quand même, regardez le retard que j'ai là sur les joueurs.
Mais j'avais quand même déjà, je vous dis, cette notion un petit peu de gestion d'items. Vous avez vu que j'utilise pas encore mon étoile, je veux l'utiliser vraiment au dernier moment. Donc je l'utilise là pour reprendre un item puisque je suis dernier et un petit peu à la rue, je pense que je vais avoir quelque chose de bien. Donc j'ai à nouveau une étoile. Alors si j'avais montré cette course là à l'époque, je pense que c'est pas pour rien, c'est je vais peut-être vraisemblablement gagner cette course, je sais pas. On verra. Ou alors je vais être noir jusqu'au bout. Je sais pas encore. Là, c'était moins une que je me fasse avoir là vraiment. Alors, 3 champis, bah ça c'est pas mal, hein. 3 champis, je suis troisième. Que demande le peuple? Alors, je l'utilise comme il faut. Je me fais pas avoir par les vertes, pardon, les bananes en plus qu'avait le joueur. Je reviens en deuxième position, c'est pas trop mal, hein. Attention au backspam de bananes. Et puis, vous allez voir qu'il va bien backspammer quand même, hein. Sauf que il se prend une banane, et peut-être c'était peut-être même la sienne, j'en sais rien. Et j'arrive quand même à gagner cette course. Donc déjà à l'époque j'avais un peu des épiclasses là, hein, avoir ça, c'est un petit peu marrant quand même. Une petite plage mascasse avec un hacker, je me rappelle avoir montré une course effectivement avec un hacker. Alors ce hacker là, Anaïs là, elle s'était acharnée sur moi si je me rappelle bien. Je vous montre un petit peu tout ce qui se passe. Là, c'était une compilation en fait. Ouais, c'est ça, une compilation. Regardez le nombre de bleus que je me suis pris dans cette course. C'est hallucinant. Et à chaque fois, regardez, troisième tour, boum, les bleus, les chocs. C'était marrant. Voilà, alors je me rappelle que je finissais souvent voilà, les vidéos avec une petite compile à cette époque de passages marrants. Là, je vous montre ça, ouais, le camion qui était invisible. Ouais, c'est des petites compiles que je faisais qui n'étaient pas super super, hein, mais c'était déjà des petits passages marrants. Là, un petit Dodge d'éclair qui me fait passer en premier, c'était sympa. Et alors oui, alors, une petite danse avec la chenille sur bois vermeil. Voilà. Je vous remontre un peu. Elle veut pas me laisser passer. Elle fait que me pousser. J'ai beau faire n'importe quoi. Vilaine chenille. Et puis là, même encore une dernière fois, boum. J'étais huitième. Hallucinant. Donc voilà cette course avec Royal. C'était sur le stade Waluigi. Je ne sais plus s'il y avait d'autres CS, je m'en rappelle pas. On va regarder ça ensemble, on verra bien. Et puis une course qui était pas trop mal, qui commence bien. Ah oui, ben il y a Robert. Alors Robert, c'est Saku à l'époque. Je crois que c'est Saku qui portait ce tag. Donc elle aime bien en plus Waluigi, donc je pense que c'était elle. Ah oui, à l'époque. Je ne cherche pas à la poutrer, d'ailleurs vous avez vu, j'ai backspammé. Parce que oui, je venais de rentrer un peu chez les CS, donc je voulais pas leur faire d'horreur. Et donc j'avais pas compris qu'en Mondi, ben il n'y a pas de pitié. Et une petite banane comme ça qui traîne, c'est pour moi. Donc c'était sympa. Vous allez voir quand même que il y avait des trucs que je faisais quand même déjà pas mal à l'époque. Donc là, c'était en musique. D'ailleurs, vous l'entendrez peut-être, je sais pas, parce que j'ai baissé un peu le son avec des petits trucs marrants. Alors, voilà. Donc bah, là, j'ai pas fait de pitié. Par contre, je l'ai bien target et j'arrive quand même à passer premier. Et à ce moment-là, c'était sympa. Sauf que voilà, je déroge pas la règle, hein. J'attire les bleus et ben, il y en a une pour moi, hein. Il n'y a pas de photo, il n'y a pas mystère. Ça change pas. Alors regardez un peu ce détour que je fais là pour éviter cette banane. C'est vrai que ça c'était pas top. Par contre, ce passage-là, je le faisais quand même pas trop mal, beaucoup mieux qu'avant. Et là je vous ai montré ce ralenti parce que c'en est failli de peu que je me fasse toucher par cette verte. Et malgré tout, je suis quand même dans les 4. Premier, je passe quand même quatrième.
Royal, regardez, tire son épingle du jeu, il se retrouve en tête là à la fin. Déjà à l'époque, hein, il avait quand même sa gestion d'items qui était là pour faire la différence. Et donc, il va quand même gagner cette course et j'arrive quand même à finir deuxième. Donc, c'est un peu pour ça aussi que je vous avais montré cette course. Et regardez mon nombre de points qui est à peu près le nombre de points que j'avais cette nuit. Vous verrez ça bientôt. Allez, un petit volcan grondant. Alors, toujours pareil, hein, toujours Royal qui est là. Alors, je ne maîtrisais absolument pas le cut du volcan grondant, vous allez voir. Puisque je me rappelle avoir bien regardé un petit peu cette vidéo avant de commenter. Et vous allez voir un petit peu que je ne faisais pas les choses comme il faut. Et ben voilà, hein, banane de Royal, je me la prends, il n'y a pas de souci. Hein, il faut bien que je m'en sorte. Et puis, je passe, je sais pas comment par miracle je passais premier là, mais comment cela est-il possible? Donc, Royal me suit derrière, hein. C'était l'époque où Royal jouait beaucoup en harmonie. Et finalement, d'ailleurs, je crois qu'il va s'y remettre un petit peu parce qu'il aime quand même beaucoup mieux jouer avec harmonie, d'après ce que j'ai pu entendre dernièrement quand on avait parlé ensemble. Donc c'est vrai que pas mal de joueurs aiment harmonie, elles se comportent un peu différemment. Hein. Alors pour le moment tout va bien, j'espère que ça va continuer. Je me fais gratter là par un joueur, je sais pas trop s'il utilisait un champion ou mon aspi. À l'époque je regardais pas trop ce genre de choses. Et vous voyez quand même qu'il y avait déjà des joueurs qui faisaient le cut. Hein. Et puisque je vois des joueurs qui ont coupé, que chose que je savais absolument pas faire. Et là voilà, ben le zap, hein, ça déroge pas à la règle. Hein. Dommage, dommage. Je suis quand même en deuxième position. On voit les joueurs qui arrivent vite. Alors j'espère que je vais trouver un petit peu. Il y avait Nemesis V13, il y avait un BWP là devant. Et je crois pas faire. Regardez, je faisais pas le cut parce que j'ai même pas tenté pour y aller. J'ai utilisé mes champis comme ça. Par contre, Royal, vous avez vu, l'a fait. Et il est parti carrément là. Vraiment, l'époque là, j'utilisais pas. Dommage, hein. Ce serait maintenant. J'aurais pas loupé l'occasion d'utiliser mes champis pour faire le cut. Et regardez, même je finis troisième. Déjà les bugs là. Il y avait CS Nini, ouais, je me rappelle, qui joue plus du tout chez nous. Je la vois plus. Et puis on va terminer hein, sur une petite course que j'avais fait quelques courses en camcroiseur un petit peu pour délirer. Et donc vous allez voir un petit peu cette course qui était quand même magnifique. Alors regardez, j'utilise ma camcroiseur pour couper là. Alors je sais pas à l'époque si c'était vraiment intéressant de couper à cet endroit. Et je vous ai montré celle-là parce que c'était une fin quand même assez épique aussi. J'avais une autre course avant qui était sur le volcan grondant que j'ai gagné de belle manière, je reconnais. Mais vu que je venais déjà de vous montrer un volcan grondant, j'avais pas envie de faire doublon. Et donc j'ai décidé de vous montrer plutôt cette course-là. Alors regardez, hein, je suis premier, on est dans le deuxième tour, j'arrive à la fin du deuxième tour. J'ai réussi à me détacher avec mon petit bolide là. Et là ça me gêne quand même un petit peu moins parce que même si je mange un petit peu l'herbe, c'est pas grave. Alors je me prends une bleue. Donc tout le monde en profite tout de suite pour me doubler. Ça va vite, hein, vous avez vu, ils ont pas attendu 2 heures. Et je suis dans le troisième tour. J'ai que des vertes là, c'est un petit peu une horreur, il va avoir du mal. Et puis regardez un petit peu ce qui se passe là, il se passe que tout simplement déjà à l'époque quand même avec un petit peu la différence du run, j'ai réussi quand même malgré tout à reprendre le dessus et à passer avec d'une part la spi et d'autre part je coupais un peu plus à l'intérieur et on arrive à la fin et regardez la bleue et là tout le monde vient me poutrer et c'est une horreur, je vais perdre une tonne de points. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à bientôt,
moins 286 pour 16 minutes. Allez, ciao, ciao, à bientôt.